Bonjour à chacun et à tous et merci de nous retrouver pour la revue de presse Afrique. Écho de campagne au Togo avec Togo Matin. Togo, présidentiel 2020, Faure Yassingbé, le choix unique et unanime de Pelé. Liberté de son côté, incident de la campagne électorale, le jeu dangereux de Payadoa Boukessi. Bara confirme l'échec de Faure Yassingbé face aux priorités des Togolais. Au Sénégal, le témoin titre, légalisation de l'homosexualité, Macky envoie Trudeau se faire branler. Même titre avec Direct News, Macky Sall sur l'homosexualité, nos valeurs ne le permettent pas. En manchette du même journal, jeu politique national, Kanwad dialogue par le silence. Sud quotidien, Mameboy Diao sur les raisons de l'ébullition du Front social au Sénégal, nous avons failli. Au Burkina Faso, le quotidien relaie des propos en manchette. Clément Sawadogo, vice-président du MPP, à propos de la réconciliation nationale, il ne sert à rien de faire un simulacre de réconciliation nationale. Sidoya à présent, regroupement des métiers, le statut particulier de l'éducation adopté. Et puis, affectation de policiers aux affaires étrangères, le syndicat des diplomates s'insurge. En Côte d'Ivoire, le nouveau réveil prend ses titres. CEI, Constitution, Liberté, Droits de l'Homme, Élections, le monde entier interpelle Ouattara. Le patriote de son côté, vers une victoire au premier tour en octobre 2020, le RHDP, un parti puissant et organisé. L'intelligent d'Abidjan, l'ex-patron du Crédit Suisse, parmi les sujets évoqués à Capital Media, Think Tank, de Honora, de Yedaï, Tidiane Thiam, candidat à la présidentielle de 2020. Au Cameroun, Cameroun Tribune municipale 2020, le RDPC confirme de nouvelles forces émergentes. Mutation de son côté, conseils municipaux le 11 entrant. La liste des principaux partis vainqueurs des élections. Avec le journal Le Messager, descente aux enfers, la nouvelle affaire Mebengo.